Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et nous retrouvons sur un autre fan game, et oui, 2 dans la semaine, c'est énorme. D-Pad Hero 2, la suite du premier. Quelques petits changements par rapport à la première version. Tout d'abord, le choix entre le premier et deux players. 3 niveaux de difficulté. Commencement, normal et expert. Je vais y aller avec beginner parce que je suis une grosse daube. Nous avons donc le choix entre 6 chansons que nous pouvons débloquer avec des crédits. Là, vous voyez, j'en ai 8. En normal, vous en aurez 6. Et en expert, vous en aurez peut-être 2 ou 3. Donc, je vais commencer par une chanson au pif sur celle-là que je débloque. Voilà, nous avons donc White Man, le nom de la chanson. La date de création, qui elle a écrit et de qui. Alors vous voyez donc le nom de la chanson est aussi un 0 sur 8. Ce sont des objectifs qu'il faudrait remplir. Alors allons-y. Voilà, ce sont des challenges. Donc aller jusqu'à la fin, un score au-dessus de 20 000. Faire une suite de 100 notes. Écrire D-Pad Hero, je sais pas comment on fait. Trouver 3 crânes, 3 faux crânes. Utiliser tous les pauvres qui vous permettront de tout détruire. Il y avait aussi arriver à la fin de la chanson avec toute sa vie. Et je ne sais plus le reste. Alors vous voyez, ça se goûte à gauche, droite, select B et A. Donc vous voyez. Alors je peux pas faire, si je peux faire pause. Avec pause, vous voyez donc en haut mon nombre de points, le D-pad Hero, je ne sais pas comment on l'écrit. La barre qui va se remplir, ce sera la longueur de la chanson. Les cœurs qui représentent le nombre de fois où je peux me tromper. La barre de le V qui me permettra de faire des multiplicateurs combo. Le jeu est assez est plus simple, je dirais, que le premier. Et très facile à prendre en main. Ah. Ouais. C'est un petit peu compliqué au début. Mais on prend très vite le coup. Et là, alors, premier item qui ralentit le temps. Et mais malgré le fait que le temps soit ralenti, on reconnaît quand même la musique et elle est quand même assez bien rythmée. Alors je ne sais pas à quoi correspond la couleur des billes. Je vais quand même essayer d'être un minimum concentré. Ouais, à chaque fois par contre que vous vous trompez, la musique s'arrête. Alors nous allons voir l'étoile. Étoile qui vous permet de sélectionner 2 touches et vous ne pourrez vous aurez plus besoin d'y appuyer vu que ce sera quasiment automatique pendant un court laps de temps. Évidemment des petites chutes assez dures au début. Bon, je vais pas vous mentir, je me suis un peu entraîné avant de record. Pour ceux qui voudraient y jouer, bien sûr, le jeu est sur RamStation, totalement gratuitement. Hop, je vais sélectionner A et B. Alors le pot qui permet de tout détruire, même les squelettes. Cependant, si vous détruisez aussi des objets, vous n'aurez pas l'effet infocrâne. Alors les faux crânes, faut les trouver par contre. En général, ils sont bleus. Là, c'est un peu plus complexe. Là, c'est complexe par contre. Alors, j'ai une étoile que je vais utiliser là et là à rater. Ah, je me suis encore raté.
Attention là par contre, choper le ralentissement du temps pour... Ah, raté, j'ai raté une note et les pow ainsi que le faux crâne. Ah, j'ai pas eu tout le D-pad Hero, c'est un peu dommage. Un score bonus, est-ce que j'arrive... Oh, j'arrive au-dessus de 20 000 avec vraiment à 75 points, 94%. C'est pas mal, 79 suites, 24 erreurs, ah, je commence à m'améliorer, 15 misses et 280 hits, pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai réussi? Je l'ai fait jusqu'à la fin, un score au-dessus de 20 000. Ah voilà, le Don't Use Any Item est assez dur, je trouve. Et la fin avec le, avec toute sa vie est vraiment compliquée. Donc j'ai gagné 2 tokens, mais on va dire un crédit plutôt. Un challenge doit être complété pour gagner une pièce de pad. Donc là, c'est autre chose à débloquer. Je vais essayer de tous vous les montrer. Voici celle-ci. Ah, alors, Free Man, c'est la version I Want to Break Free. Alors, on est go. Les challenges restent les mêmes, bien sûr. Celle-ci, je crois qu'elle est un peu plus complexe. Bon, le pot qui sert à rien, par contre. On reconnaît bien la musique. Ah, je me suis raté, c'est dommage. Peut-être que les trucs, les boules vertes me donnent un petit bonus. Premier faux crâne trouvé. Oh, pour les faux crânes, bien sûr, faut utiliser la note associée. Oh, un multiplicateur x4, impressionnant. Est-ce que je vais faire une suite de 100 notes consécutives à une étoile? Ah, je me suis un peu raté, c'est dommage. Moi j'ai de chanson. Je m'attends donc à ce que ça aille un peu plus vite. Deuxième faux crâne trouvé. Troisième faux crâne trouvé. Parfait. J'ai les trois donc. Ah, c'est vrai. Raté. Hop, le pow. Je ne sais pas si quand j'utilise le pot par contre. Oh, j'ai raté beaucoup de notes là. J'ai raté beaucoup de notes. J'ai fait une... En fait, les étoiles, faut vraiment les utiliser comme il faut. Ah, je me suis raté sur ce coup-là. Vous raterez beaucoup de fois. J'essaierai de faire une chanson en expert pour le LOLs à la fin. L'étoile qui me sauve de justesse. Et il me manque toujours une seule lettre pour le D-pad Heroes. Je n'ai pas eu le... Ah, 68 notes d'affilée, 92%. Ça va encore. Je considère que c'est plutôt un bon score au-dessus de 90%. Bon. Au moins, j'ai 2 crédits. Voilà, alors je suis toujours à 8 crédits et on va commencer une chanson un peu plus complexe.
qui coûte 4, donc normalement elle doit être plus dure. Une chanson de Elvis Presley. Ouais, déjà c'est un peu plus complexe dès le début. Si je parle pas, c'est que je suis concentré. Le premier faux crâne découvert. Ah, raté. Dommage, j'étais bien parti pourtant. À moins que... Ah, je crois savoir comment on découvre les D-Pad Hero. C'est en touchant les boules vertes. Voilà, attention, j'ai bien fait d'activer ça. Ah là là, la suite démoniaque que je viens de rater au ralenti. Déçu. L'étoile sur les touches AB, évidemment. L'autre étoile sur les droites gauche. Le deuxième crâne découvert, j'en ai peut-être raté un. Est-ce que je vais avoir le D-pad Hero complet cette fois? Ce que j'espère. Je suis à 14 000 et c'est bientôt la fin. Est-ce que je vais avoir au-dessus de 20 000 surtout? Ah, je me suis raté. J'ai raté une note. Ah, j'ai fait pause sans faire exprès par contre là. Allez, il me reste une note à avoir. Est-ce que je vais l'avoir? Oui, j'ai le D-pad Hero complet là. Ah, je me suis raté par contre là. Et le dernier crâne. Hop là. Ah, j'ai eu tous les crânes, j'ai au-dessus de 20 000 points, je suis arrivé à la fin. J'ai fait plutôt. Là, c'était peut-être la meilleure chanson que j'ai faite, 94%, ouais. Là, ça envoie du pâté. Ouh, j'ai eu tous les pots, ça me fait 5 crédits en plus. Voilà. Et là, j'ai gagné une pièce. Alors ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert dans le jeu. Peut-être que ça débloque quelque chose. Donc là, j'ai 9 crédits. On va continuer avec les chansons à 4. Avec celle-ci. Une chanson de Megadeth. Je ne connais pas ce groupe. Moi, on manquerait de culture. Si j'arrive à vous faire toutes les chansons, je suis content quand même pour vous montrer ce qu'il y a comme difficulté. Et ça, c'est que en beginner. Je montrerai ce que c'est en expert, mais je doute que ça soit facile. Et pour l'instant, je la perfecte la chanson. Je vais dire ça et je vais me rater un moment, j'en suis sûr. Voilà, je me suis raté un moment.
et j'ai eu le premier faux crâne. Ah, raté. Ah, raté. Dommage, j'y étais presque. Même en ralenti, ça garde un certain charme, charme dans la mélodie. Ah, dommage. J'ai dû rater pas mal de boules vertes. J'aurais pas le D-pad Hero complet sur ce coup-là. Alors là, je vais peut-être avoir le troisième crâne. Voilà, j'ai eu tous les crânes normalement. Ah, j'ai raté les deux dernières notes, je suis déçu. Et je suis au-dessus de 20 000 points. Et j'ai le D-pad Hero complet. Et je suis full life. Est-ce que j'aurais réussi? Est-ce que j'aurais réussi le plus gros perfect de ma vie? 96%, pas mal. Pas mal du tout, 15 erreurs. Ouh, 6 crédits en plus. Pas mal. Et j'ai gagné une pièce qui ressemble... Je ne sais pas à quoi ça ressemble, perso. Donc là, on peut voir que j'ai des pièces. Et maintenant, on va s'attaquer... aux chansons à 6 points. Et là, je sens que je vais bien galérer. Parce que ça envoie lourd. Ça envoie lourd, je me suis déjà raté dès le début. Je me suis encore raté. Pour l'instant, ça va, la mélodie est assez simple à comprendre. J'ai eu le faux crâne, mais ça m'a coûté des points. Ah, je me suis raté, j'ai appuyé où il fallait pas.
Ah putain. Ah j'ai raté une lettre du Dipadiro, je l'aurais pas. J'ai eu le pow. Encore le pow. Mais là je me suis bien raté sur un moment. J'aurais pas le Dipadiro, je crois que je me suis raté sur deux notes. Est-ce que j'aurai les 20 000 points par contre? Je pense que si je me rate pas, je les aurai. Eh, je me suis raté, voilà. Ou alors les trois faux squelettes. Ah, je me suis raté. C'était laid, j'ai perdu tellement de vie. Ah, il reste plus beaucoup. Si je me rate par contre là, je pète un câble. Ah, je fais des pao. Si je rate les bonus, c'est pas grave par contre. C'est ça qui est bien. Oula. Voilà, c'est, je pense. Et là. Chaque fois que vous prenez une étoile, par contre, faut bien choisir. Parce que, en fait, si vous avez le pouvoir d'une étoile et que vous chopez une étoile sans faire exprès, votre pouvoir s'annule. Il faut que vous tapiez sur une touche pour que l'étoile désigne une nouvelle instant note. Donc je suis au-dessus de... Ah, c'est au-dessus de 25 000 cette fois. Allez. J'ai gagné 2 tokens. Youhou. Je vais pouvoir vous montrer la dernière chanson. Et je ferai une... Ah, l'endmat de Led Zeppelin. Et ben... Quoique finalement, je vais vous laisser la surprise du mode expert et normal. Parce que j'ai pas si je vous montre tout le jeu, ça va perdre de son charme. Donc après celle-là, on se quittera. Ah, raté. Voilà. J'ai fait la merde. Ah, j'ai oublié que ma touche select est sur... n'est pas à côté de mes touches de direction. Ah, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Pour l'instant, ça, je gère assez bien les étoiles. Ah, raté. Oh, c'était méchant.
ce que je me suis pris. Dommage. Ah, je vais me rater sur celle-là, je sens le fail. 3 coeurs. À moins de regagner une vie par je ne sais quel miracle, je ne sais pas si je vais terminer cette chanson. Autant qu'elle est presque terminée, c'est ça le truc. Voilà. Normalement, là, je suis safe pour un moment. J'ai regagné un peu de vie. D'autant que c'est la fin de la chanson, là. Et grâce à mes instantanés. Ah, non, 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 non. C'était juste. C'était très juste. Et je suis au-dessus de 25 000. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'on adore. 91% en beginner, je trouve que c'est quand même pas mal. Ah, c'est over 30 000, d'accord. J'ai gagné une autre pièce. Yoko. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cela vous aura plu. Ah, en appuyant sur B, on peut voir les chansons que l'on a fait. Ah, mais non, mais c'est vrai, j'ai inversé les touches AB. Donc, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci à tous d'avoir regardé ce fan game jusqu'au bout de D-Pad Hero 2. Je rappelle qu'il est disponible sur Rum Station complètement gratuitement. N'oubliez pas, comme d'habitude, les likes, les commentaires si vous avez une idée de jeu rétro à me proposer ou bien un fan game que je peux présenter. De liker, de commenter, d'aller regarder les autres vidéos, de me suivre sur Twitter @raus1. De vous abonner à YouTube. Bon jeu et à la prochaine.